Soyons pas au truc évident, là, on est qu'à 1-1. Oui, c'est vrai, on fait les beaux, on se fait démouler par. C'est toi, tu me donnes envie de faire le beau. Par Titos. Moi, j'étais à la cool. Non, non, tu prends Tu plaisir m'as. aussi. J'ai pris plaisir. Prends plaisir, Mais bien c'est. sûr. Tu vois, tu m'attires là, dans tes filets. Allez, viens là, dans l'autre Allez, fais cuidance donc là. beau avec moi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Salut à tous et bienvenue sur VLPL Magic Arena FR. Comment ça va, Ça va Flo? très bien, toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Golgari Land. Que du plaisir. Que du plaisir. Vous l'avez déjà vu sur notre chaîne, mais pas dans nos mains, dans les mains de notre adversaire qui nous a pété la gueule avec ce fouet de vigne iridescent. Goban, hein, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Toujours pas ban depuis. Voilà, encore une carte noire craquée. Écoutez, on va en profiter tant qu'on peut encore la jouer. Le but de ce deck, c'est de se meuler des terrains, donc avec l'analyse de répercussions notamment, pour trigger ensuite la Nissa quand on va la réanimer en la sacrifiant. On peut aussi mettre des landes en jeu depuis un cimetière en les meulant avec l'Umbra, même si ça arrive un petit peu plus tard, mais ça marche aussi. Quand on a fait du mana, des trucs avec Nissa, bah justement, ça va faire plein de triggers avec le fouet de vigne parce qu'il y a plein de TB. Il y a des landes qui se sacrifient justement, qui vont revenir en jeu, qu'on peut resacrifier pour refaire leur effet plusieurs fois. On a Pied-le-Marais qui va avoir un intérêt grandissant en fonction du nombre de terrains qu'on contrôle pour aller chercher bah, par exemple le fouet de vigne ou l'Umbra. Petite marée de terreur hein, qui permet évidemment de bien tuer toutes les créatures avec le nombre de permanents dans le cimetière. Carnage impitoyable aussi qui est plutôt carte de combo. À utiliser avec le deck, qu'on va comploter et utiliser à zéro. On peut sacrifier n'importe quel nombre de permanents qu'on contrôle pour piocher autant de cartes. On va sacrifier nos terrains en prenant le mana en pool avant, attention, puis les réanimer avec l'analyse des répercussions. Si vous prenez là-dessus le 3-2 Fermarrai là, de Tishana, ça remballe. Ça remballe, il n'y a plus Ouais, rien. c'est Il y ciao. a plein de cartes en main, il n'y a plus un land. Des petits anti-bêtes pour compléter le tout, pour saupoudrer comme ça. Et Spéléologie qui permet de ramper et aussi que tous ces beaux terrains reviennent dégagés. Et ça, c'est fort. En sign, on a deux exterminés, deux Titania, ça marche bien avec les landes. Trois marées de terreur supplémentaires, deux contraintes, trois contraintes, pardon, un droit à la gorge, deux déchiquetés et deux Nissa animés Ashlandu. C'est parti. Et avant que ce soit parti, on remercie les sponsors. Plain by Magic Bazaar, code VLPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Merci à Ultimate Guard, lien affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, vous recevez ça chez vous, vous êtes régalé. Picobello et merci à la belle carte. Ouais, la belle carte qui vous permet de gagner un petit booster Bloomborough. Alors, il ne sera pas vide comme celui-ci, il sera bien emballé, bien scellé avec des bien bonnes cartes dedans. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et d'être abonné à la chaîne. Merci à la belle carte de pouvoir soutenir les vidéos de ValetPL et de vous faire gagner ce petit booster. Voilà, participez dans l'espace commentaire pour recevoir le petit booster. Merci à tous. Code la belle carte sur Voct pour avoir Tout à 10 € fait. de réduction sur Voct du coup lorsque vous créez votre compte. Voilà pendant les 2 premières semaines quand vous créez votre compte. Donc n'hésitez pas à venir chez nous faire voir du box break ou de la carte à l'unité. Jouer en premier. Ouais, j'en profite aussi pour vous tenir au courant que sur la belle carte, il y a du Altered en français pour ceux qui en cherchaient. Je sais que c'est un peu stock out sur toutes les boutiques. Nous, on a attendu d'avoir nos quantités qui ont été confirmées. Tu vas pouvoir, je crois, garder cette main-là pour pouvoir les mettre en stock. Mais ça y est, nos quantités sont validées. Donc si jamais vous cherchez un peu d'Altered, on en a sur la boutique labellecarte.fr. Le lien est en description. N'hésitez pas. Oh, DJ. Mister DJ? Oh oui, il joue Rakdos Titos Join Up, j'aime bien cette carte. Le DJ de Street Fighter, peut-être. Pourquoi? Bah, il y a un mec qui s'appelle comme ça, dans Street Fighter. Ah ouais? Dans les premiers Street Fighter? Non, Non. dans les récents. Ok. Bah, à partir du 4, ça fait un bout maintenant. Mais si t'as pas joué depuis le 2, c'est plus récent. Non, j'ai joué à Street 4, je crois. Je me souviens plus de DJ. T'es sûr que c'est pas plus Le récent? D. Pas depuis Street 5? J'ai pas joué après, donc Ah ok. normalement. Mais c'est peut-être un DLC. Ou je l'ai oublié, c'est probable. Oui, Analyse. nous on est Blanca, Guile, à l'ancienne quoi. Par l'époque. Ouais. Des Landes. Ryu. J'adore d'ailleurs le dessin Mon animé Dieu. Street Fighter. Super, super générique en plus. 3 superbes cartes que nous n'aurons pas. Et 0 Landes. C'est la vie. C'est la vie que t'as choisi de mener quand tu joues ce deck là. Vie de merde. Hein. Ouais. Si, si. Une grosse vie de merde là. Faut bien qu'il fasse quelque chose. On va ploter le marais, non? Pas, hein. Ah, tu peux pas. Mais non. Le marais en a marre. Hein. Moi aussi. Et il se venge. C'est double noir qu'il faut que j'aille chercher. Ouais. Suelta la belletasse. Il va t'infamer le Vilgriffe. Hein. Il me meule. Oh, merci. C'est gentil.
Il va m'infamer, ouais. Après, tu t'en fiches un peu de ce que lui va trouver, parce que toi, tu veux tuer en combo. Ça sert à rien. On va ni ça. Tunnel. Je fais un mana vert. Ouais, c'est un peu aux elfes, quoi. J'ai une forêt, un mana noir. Oh, animiste. Belle. J'ai une chance sur deux. Oui, oui. Eh ben, t'es un, c'est dur, hein. Ouais, mais là, t'en as déjà quelques-uns. Hein. J'en ai 5. Ouais, mais t'as vu tout ce que j'ai mêlé. Il y a 28 landes, donc... Sachant qu'il y en a 2 que j'ai mis moi au cimetière, hein, donc j'en ai meulé que 3. T'as meulé combien de cartes? 12, j'ai meulé, 5. 7. Parce que t'as 28 landes sur un deck de 60 cartes, donc tu t'es censé meuler une chance sur 2. Ouais, je pense que c'est dans les stats, t'es pas loin en tout cas. Disons que c'était peu. Il continue à te meuler, hein. Il a pas compris que c'était mieux de se meuler lui-même, peut-être. Ah, il a le choix avec Titos? N'importe quel nombre de joueurs ciblés, ouais. Ben, en fait, si jamais il me cible pas, je perds pas un point de vie. Ouais, mais enfin... Joseph, non? Mignon, ça. Non, c'est pas mal. Dans les tuyaux, évidemment, le deck de l'adversaire. Ben, nous, on n'a pas une version hors-la-loi. Lui, il joue une version avec Titos, Vladimir. Nous, on a une version plus Rakdos Midrange. Enfin, en tout cas, la version qui est la plus courante. Mais j'aime bien sa version aussi. Moi, j'aime bien Rakdos hors-la-loi. Très dommage de ne pas avoir de marée de terreur. Sinon, je serais allé chercher un truc... Ouais, là tu m'as l'air bien dans la sauce. Je vais bloquer, sacrifier, réanimer plein de landes. Je peux pas faire grand chose d'autre. Non, effectivement. Est-ce que je passe par Spellogie d'abord? Non. Ça m'a l'air juste compliqué. Bah ouais, c'est juste. T'es juste dans la panade, comme on dit. Ouais, ça s'est assez mal mis là, notre meule et ses réactions. Peut-être qu'on aurait dû attendre de jouer notre premier analyste. T'es peut-être pas pressé, je sais pas. Dans tous les cas, il avait son anti-bet, donc si je la décorvais, il faisait anti-bet dessus. Ouais, peut-être qu'il fallait la jouer qu'au moment où tu peux la sacrifier. Et ce moment ne serait probablement jamais arrivé. 6 mana, ouais, c'est rudent. Bon, on va chercher un peu ce qu'on veut. Ouais, mais ce que tu veux, c'est au cimetière. Et il joue avec Magda et tout, ok. Ah, il joue plus il joue hors-la-loi. Mid-aggro, ouais. Il joue pas le plan, plan mid-range. Pas le plantine. Et moi j'aime bien ça, j'ai pas mal joué, notamment avant la rotation des versions hors-la-loi avec Titos, ça me parle bien. Oh, Lumra, fait rien. Lumra qui fait que dalle, qui est juste énorme. Et on va mourir juste là-dessus. J'ai plus ma brasse, écoute, je vais tenter ça. Ouais. Tu vas tenter et partir. Est-ce qu'on peut faire des choses avec un carnage? Ah, si je prends un fouet de vigne et un carnage, on fait peut-être des trucs, non? Je crois que ça suffit pas, il est à 24. J'ai combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais par contre, tu peux prendre un carnage et un... Comment il s'appelle? L'acolyte, non? L'analyste? T'es pas capable de faire une boucle où tu repioches plein de cartes et où tu remets toutes tes landes et du coup, tu auras ta main pleine. Et là, du coup, tu pourras peut-être jouer plein de trucs. Tu veux que je prenne quoi et quoi, tu m'as dit? L'analyste et le carnage. Mais est-ce que t'as le mana pour tout jouer? Non. Il me manque un mana. Carnage c'est 4, analyste c'est 2. Ah oui, il te manque plus. Et après, que faut ça, que je la craque pour 4. Bon, voilà. Là, c'est finito. Bah, en fait, avec une Vrasse, on pouvait revenir, mais elle était au cimetière. Mais non, on est con en fait. Il fallait juste prendre carnage, prendre tous tes manas en pool. Tu faisais carnage. Il me reste un mana. Et il te reste qu'un mana, ouais. Ah oui, parce que ceux-là, ils sont pas utilisables, les tunnels, t'es obligé de les craquer. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Parce que sinon, si tu repiochais un analyste, ça fonctionnait. Si oui. Si t'avais le mana. Mais effectivement... Mais non, j'ai 0 mana. Ok, ok. Bah du coup, les Vras, c'est bien contre lui. Ouais, ça a l'air ok. Il a joué aggro. Bah tu peux enlever tous les exterminés et rentrer les droits à la gorge. Ouais. Bah le droit à la gorge. Le droit à la gorge. Ah, dégage, ça m'énerve quand il met la carte en immense qui part plus. Qu'est-ce qui est fort contre lui? Ça se fait gagner des PV, mais je suis pas sûr. Non. Ah, quoi que ça bloque bien. Hein. Ouais, je crois que tu t'en fous. De toute façon, ça, c'est 3-3 menaces, son truc. Ouais, mais ces autres bêtes. Ça bloque ça, ça bloque ça. Ouais, mais elles sont pas si problématiques. C'est l'infâme Vilgriff qui a créé ce board-là, tu vois. Je pense que là, tu te fiches de tout. Là, tu veux surtout sortir des cartes.
Tu peux enlever un piller le marais, peut-être, un seul. Je crois que 1 et 1, comme ça. Ouais, ça, c'est quand même la base comboïste On de peut-être un ton Lumra, deck. c'est lourd. Peut-être un Lumra, c'est lourd. Vas-y, ça me va comme ça. Zou. Pas trop sidé dans ces decks-là. Hein. C'est des decks Ouais. qui ont vraiment un coup de deck building qui est assez imposant. Si tu commences à trop sider, ton deck après il fait plus rien et c'est un peu Et dommage quoi. Cheddeg. Et tu es fané quoi. Tu te retrouves comme DJ à jouer Ragdos sort la loi quoi. Et à prendre du plaisir. Bien. Ah, tout le monde n'y prend pas forcément goût, mais moi j'aime beaucoup ouais. Je vais faire fouet de vigne tour 1, parce que s'il le bute, c'est peut-être une interaction de moins sur l'analyste. Ah oui, non mais tu peux y aller, tu peux y aller. Et je fouette la vigne. Vas-y vite, vas-y bien. Avril Lavigne. Tour 2, je fais analyste ou pas? Ça dépend si je trouve un land d'étape. Allez, hein, vas-y, Curvon. Parce que du coup, je dégueure ça. Parce que du coup, tu décœurs ça. C'est vrai. Mais peut-être J'ai. que analyse c'est plus important. Je ne sais point jouer ce deck. Je me demande s'il faut pas garder nos analystes au chaud. Et du coup, ouais, bah Ah, vas-y, hein, en analyste. fait, Hein. non, je crois qu'il faut faire analyste parce que on va trouver un land au tour 3. Non, mais un land, c'est bien. On va trouver un land. Ouais. Et D'accord. du coup, ça me fait Il tape. Nissa tour 3. Ouais. Ok. Et tour d'après, passage merveilleux. D'accord, ok. Gucci. Le land t'a dit TKT, j'arrive, je suis dans les bouchons. 49% de chance. C'est très bas. Oh, c'est pas très bas du tout. Bah, c'est relativement bas, en tout cas. Ah, en standard, c'est assez élevé. Hein. Il était dans les bouchons. Après, fais pas l'étonné, voilà. Bah, je vais. Et j'ai. Excuse-moi d'être étonné quand Non, même. non, j'ai dit, on va piocher un land, tout ira bien. Mais j'ai le droit ou pas d'être étonné? Tu t'étais en train de faire un sketch sur le land, alors que le land arrive, genre, littéralement. 48%. Hein. Tu sais qu'en dessous de 80%, on estime que c'est pas fonctionnel. Que c'est insane. Ouais, on était juste dans la stat insane. Aïe aïe aïe. Vas-y, joue ta belette, là, j'en ai rien à foutre. Ah, on tue quoi, là? On tue un koala? Bon, par contre, si tu dis ça, c'est vrai que je fais pas grand-chose d'autre. Jambe de 2. Ouais, j'ai l'impression que c'est dur. Hein. Ça l'est. Tu finis ça. Plotte-moi Est-ce que ce. ramper de 2, c'est bien? Non, plotte machin. Plotte machin chose. Ça? Ouais, comme ça t'auras une synergie de pouf paf. Ah, par contre, attends. Il te le tue. J'ai plus rien. Il te le tue, t'as plus rien. Mais est-ce que. Mais il fait rien non plus, lui. Et moi, je ferai tuto. Vas-y, plotte alors. Faut prendre des risques, hein. Je S'il complote. a tout, il a tout. Hein. Je mets des petits points parce qu'avec le fouet divine, ça peut avoir son Ça importance. peut avoir sa petite importance, ouais. Je pense d'ailleurs que qu'il ait un nombre de points de vie pair, c'est Oh! mieux. Oh putain, il a rien. Bah, il n'y a rien, il est quand même exilé un land, quoi. Un peu chiant. C'est un peu Quand t'as chiant. que deux landes et que t'en. Parfait. Prends-moi tous ces manas. En poule. Oh ouais. 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 On y va. Oui, vas-y. Noir, je crois. Bon, ouais, ça m'est égal, je pense. Tu peux prendre celui que tu veux. Vert. Vert. Noir. Noir. Carnage. Vas-y. Peut-être on n'a pas compris le 1, deck, hein. deux, On va se rendre compte trois, maintenant. 4, 5. Sacrifier analyste. Excellent. Fin de tour. Le mec, il a pas compris. Et voilà! Tranquillou. Tranquillou. C'était pas mal Attends, comme je passe tour. en phase d'attaque. J'y mets un. Voilà. Là, on a la même pleine. Là, il se C'est passait des bien. trucs. Et si t'avais spéléologie, là, tu Oh, continues et à je suis jouer. parti en couille. Tu t'es dingo, Vas-y, gros. enlève-moi ce que tu veux. Ce que tu veux, gros. Il est obligé d'enlever la brasse. Hein. Tu la caches? Il enlève quoi là? Carnage, je pense. Je peux en prendre qu'une, hein. Donc Moi, je vois ma main. Ouais. Je suis mon propre adversaire, je m'en vais. Je me dis, putain, c'est pile la ronde où j'avais envie d'aller bouffer. Petit creux, moi. Petit Pour creux, rien. je te la laisse. Tu fais pas genre, t'es en train de perdre. Hein. Tu fais, ah, tu sais quoi? Ça me fait plaisir, je te la laisse. T'as vu comme je peux la mettre loin la carte et on voit l'ombre. Ouais. Je Putain, lâche ça. y a du ray tracing, gros, sur Magic Arena. 4K HD. 4K HD. C'est fou. Oh, est-ce que t'as vu la nouvelle pour la série Netflix? Non! C'est annulé. Laquelle? De Magic? Ouais.
Non! Quelle loose! Sais que ça fait 5 ans qu'on s'imagine critique ciné Ouais. de cette série. Là, je sais très bien, ouais. Bah non. Du coup. Mais il y a eu 6 ans de pré-prod pour. T'as pioché ça? Ah non, il t'a enlevé Pied-le-Marais. Ouais, il m'a enlevé Pied-le-Marais. Mais pourquoi du coup il te donne. Oui, j'ai pas pu, je sais, je l'avais dans la main. Bah, je sais pas. Je le fais, hein. Il fait n'importe quoi, Lopo, Ah, excuse-moi, je pense DJ. qu'il va réanimer. Mais bon, je vais tuer du coup ce qui réanime. Ouais. Comment Ça. ça, c'est annulé? Combien ça? On peut en parler deux minutes Combien ou pas? ça? Bah, vas-y. Et c'est quoi leurs explications? Ils ont dit quoi? Tu mets pas 6 ans de pré-prod pour annuler? Bah, je pense que ça fait un moment que ça. Que ça doit être annulé, Pourquoi on je est peux pas d'accord? comploter? Cheval de manège. Proche. Ok, donc annulé. Et oui, donc du coup, est-ce que tu as lu l'article ou juste tu. Bah non, parce que quand le titre dit c'est annulé, je suis pas allé voir plus loin. Ah, mais je vais aller voir moi. Ok, donc oui, t'as pas les infos complémentaires. Non, l'article avait pas l'air très long, hein. Donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'infos complémentaires. Bah, je voulais au moins savoir à quelle phase ça a été, pourquoi ils ont annulé, est-ce que c'est un problème d'acteur, est-ce que c'est un Je problème de. crois que à la phase où c'en était, il n'y avait pas Il n'y grand-chose. avait pas grand-chose, mais Ouais. c'est une catastrophe quoi. On s'en doutait en vrai. Ah, que ça serait annulé, moi non. Hein. Je pensais que ça allait mettre 1000 ans et je pensais peut-être que ça allait être un four. Mais annulé, je suis étonné. Franchement, vu le temps que ça mettait sans aucune news, c'était un peu téléphoné quoi. Oh, il tue en réponse. Je fetch et du coup ça marche quand même. Bien bonne carte cette Nissan. Bien. Ouais. Bien. Bien. Très bien. Hop là. Mana noire. Elle meurt. Mana vert. Oh, c'est vrai. C'est un élémental ce con. Ah ouais, et puis il est énorme. Est-ce que. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Ah, je peux pas faire ça et ça dans le tour. De toute façon, tu veux pas carnage là? Ah, je vais ploter. Ah oui, d'accord. Je suis Non, ici. je vais pas le caster maintenant. Ok, comprenez pas. Bon, je mets l'ours, hein. Putain, il fait un job l'ours. C'est un monstre. Il va te mettre des Monstre. coups à DJ là. Mais t'as. Lumra, c'est nous au Master TCG. T'as. Oui, c'est Monstre. vrai. T'as pas besoin de carnage impitoyable, hein. Tu vas faire anti-bête 17. En fait, je fais genre, oui, l'élan, Louis Leland. Ouais. Et d'un coup, l'ours. Oh. Et tu lui dis bien au gars. T'es à combien? 13? J'ai combien de land? Je les prends tous comme ça, une grosse pile. 1, 2, 3, 4, 13? Allez, tiens, je compte pas J'en ai plus. même plus. J'ai ceux-là aussi. Hein. Ouais. Si tu veux, je les sacrifie sur ta phase d'attaque. Je te mets pile 13. Soyons pas au truc évident, là. On est qu'à 1-1. Oui, c'est vrai, on fait les beaux, on se fait démouler par. C'est toi, tu me donnes envie de faire le beau. Par Titos. Moi, j'étais à la cool. Non, non, tu prends Tu plaisir aussi. m'as. J'ai pris plaisir. Prends plaisir, Mais attention. c'est. Tu vois, tu m'attires, là. Dans tes filets. Allez, viens là, dans l'autre Allez, fais cuidance donc le là. beau avec moi. Oui, bien sûr, avec plaisir. DJ. Mais qu'on est des troubadours d'internet, hein. Obligé là Oui. de. Oui. Non. Allez, jongler. Si. Oui, c'est pas si, c'est le métier un peu. Bon, c'est Jong dur de dire non à ça. jongler les gueux. Oui. On jongle les glés. Oui, maître. Tu préfères le glaude ou le bombé? Le bombé. Je Je sais sais pas. pas, non, je m'en fous. Moi, je préfère le nom du Glaude. J'aime bien les deux, ouais. Allez, analyse en profondeur. Vas-y. Puis ça, je m'en fous. Il a que donne. Lui, il te le dit, hein. Il t'a bien précisé. Ouais, t'es caté. Je possède l'anti-bête. C'est beau ça. Miam, 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 rien. comme Max avec la cloque. Miam, 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 Miam. miam, miam. Est-ce que je refais ça avec un fetch? Pour faire analyste Nissa Fetch tant d'après, oui, j'ai répondu à ma question. Oui, franchement, ne me demande rien sur le deck. Je suis juste en Je animateur. vois que tu n'es Moi, je. pas. Ouais, j'aime pas trop ces decks. Je m'en fous un peu. T'es pas dans ce genre de truc. Non, je suis pas dans ces bails, moi. Moi, je suis plus dans ce genre de truc. Ouais. Moi, je suis dans le bail, je pose des bêtes, j'attaque, je mets des anti-bêtes. Eh. Il y a quoi qui est chauve-souris, lézard. Ah, lézard, ouais. C'est bon, tu l'as? En fait, je pensais à l'ours, moi. Et j'ai dit, mais l'ours, il est pas lézard! C'est pas lézard, Il lui. est pas. Mais oui, terminé tour, c'est bon. Il est pas chauve-souris. Il est pas rat. Il est pas écureuil. Et non. Il y a un petit côté écureuil. Hein.
Il aurait pu être écœurant, bon, il m'aurait pas par quelque chose. contre, t'es chiant en fait, DJ. C'est-à-dire que vous êtes toi. Ouais, mais il va faire comme à la 2. Que des anti-bêtes au moment. Oh. Oui, c'est vrai. Et il est mort. L'ours. Tu penses quoi de mon imitation d'ours? Oh. Ouais, ça va. Du coup, tu as fait la tienne. Oui. J'ai essayé de faire la tienne. Et je voulais voir du coup en m'entendant si elle était OK. Ok. Tu dis, est-ce que je peux faire aussi bien ou pas? J'ai fait moins bien, mais j'ai senti l'ambition de ton ours. Il est ambitieux cet Oui, ours. oui. Petit Mais tips, si jamais arrête. vous allez camper en forêt, pour survivre face à un ours, il faut jeter votre sac à dos. Parce que les ours sont curieux. Oui. Et donc du coup, il ira voir ce qu'il y a dans ton sac. Mais ça dépend l'ours. Et s'il y a une putain de chaussette sale de merde, et ben en plus de t'être tiré de En l'ours, plus. tu lui as fait une petite farce. J'ai amené un sac plein de chaussettes sales. J'ai que ça dedans. Dommage. C'est vrai, face à un ours là, tu fais quoi? Est-ce que j'utilise mon mana ou pas? Ouais, je crois que oui. Hein. Oui. C'est bien. C'est bien. Tu fais quoi face à un gros ours? Je le check. Ben non, Comme. tu lui jettes ton sac et tu cours. Je lui tape un check, comme face à Antoine Daniel. Je prends ça là. Ah ouais? Ah, et toi, tu veux vraiment mettre des Ouais, coups j'ai de. vu l'ours que ça faisait, c'était bien. Je crois pas, hein, je crois qu'il faut que tu prennes ton analyste, moi. Je prends l'analyse alors. Désolé, hein, excuse-moi. T'as la rêve d'Antoine Daniel ou pas? Pas du tout. C'est un mec dans une vidéo et du coup c'est devenu l'annonce sub d'Antoine Daniel. Il fait Antoine Daniel, franchement je le croise, je lui tape un check. Mais est-ce que lui, il veut? Je sais pas, mais je trouvais ça très drôle de. Le mec le dit, tu vois. Ouais, le mec le Genre, dit. franchement je le croise, je tape un Hop, check. Hein. check. Mais du coup, Antoine Daniel, il a répondu à ça. Il a dit, ah, pas de souci. Je sais pas. Mais c'est lui. Hein. Je peux ni ça, Land, ça fait un mana, analyste, il tue les deux, j'ai rien. Après, s'il tue les deux gros, il a rien fait non plus. Regarde, il reste deux cartes en main, hein, C'est vrai. le poulet. Hein. J'en fous très bien une. En fait, analyste, le tour d'après, je peux faire analyste avec le mana pour la sacrifier. Ce qui commence à Je faire des crois que trucs. je mets juste Nissa. Ok, Passe. mettons juste Nissa. J'aurais pu Mais faire un mana, tu vas me dire, mais j'en aurais rien fait. hmm. Donc. Finalement. Oh, meule-moi. Tu vois, lui, il va bientôt jouer l'inlay du vide quand Duskmond sera sorti. Ah, j'enlève quoi? Il sera content. Attends, les Valandes. Mais Ah non, non! je fais pas ça. Eh non! Attends, tu suis pas Mais Valin. enlève droit à la gorge! Quelle question! C'est toi qui suis pas là. Bah ça accomplit rien. Ça accomplit pas grand-chose pour l'instant. Si ce n'est que tu puisses refaire une imitation. Oui, oh, je vais peut-être pas la faire encore une fois aussi. Je pense que Je sais pas. Hein. les gens aiment bien hein, le running. Ils aiment l'ours. C'est pas le running gag, c'est le running Running ours. running ours. Je vais en avoir du land. Tu vas en avoir plein. Tu Je veux du vais me land? les deux lands encore sur trois cartes. Tu veux du land? J'en ai plein. Ouais, dommage. J'ai menti. Oh, j'ai pas besoin en fait de faire maintenant. Non, t'as pas besoin. Attends, mais si, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4. Ah non, mais c'est tous engagés. Ouais, non, je suis con. J'arrête d'être con, hein, à un moment donné. Là, Ouais. c'est hyper relou en fait. C'est vrai que c'est un peu frustrant même. Allez, vas-y. Je joue des trucs. Mana, 7 mana, là, son bordel. Gros, il a fait exactement ce qu'il faut pas faire. Il a rentré que des interactions et du coup, bah, il met pas de pression et du coup, on va le bourrer Oh quoi. putain. Il sacrifie tout là. Comment? Bah, t'es les landes. Ah oui. Ah oui, non, oui, non, t'as pas le carnage. Oui, je le mets. Le ours. Bah, tu peux d'abord sacrifier parce que lui, il fait revenir les landes aussi, non? Toutes les cartes de terrain depuis ton Ah, cimetière, je croyais fait que que c'est celle que t'avais meulée. Je Ah pensais encore non. mieux que ça, l'ours. Ah oui, ah bah il est pas passé 17-17 Bah, j'avais déjà beaucoup de land. en mangeant des chips, hein. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi. Peut-être que oui. Tu pensais qu'il en avait meulé 13? Et il Mais est non, j'avais costaud. déjà 9 ou 10 landes. Ok. Faut que je laisse un peu de land pour faire la trigger de fouet de vigne. Peut-être que je fais pas cela. Ah ouais, tu penses fouet de vigne, c'est notre raison là? Non, je vais tuer avec carnage, t'as raison. Moi, je pense ça. L'ours, il sera géant là. Ah, j'adore. Vas-y, fais-le quand il arrive en jeu. Non, c'est quand j'attaque. Ah, ok.
je perds plein de bonnes cartes. Ouais, mais ça va. Je tac. Ouais, oui. Bah comme ça, tu lui mettras un coup d'ours pour gagner. Oh, le coup d'ours. Mais il a joué quoi, lui, en fait? Il a rien joué. Réfléchis, il a rien fait. Il a rien joué. Il a rien fait, le type. Oh, réveille-toi, DJ, putain. Masterclass. Même pas un coup d'ours, gros. Même pas un coup d'ours. Ah bah, oui. Évidemment que j'ai apprécié. Oui, oui. C'était délicieux. Il a rentré que des anti-bêtes, il s'est dit merde. Merde, putain, je tue comment, moi, maintenant? C'est pas... Ah non, c'est nul, hein. Ah, ça fait rien, quoi. Merde. Oh, il allait prendre 24. Mais ils font tout ça, punaise. Rentrez pas trop de cartes qui dénaturent votre plan de jeu. Après voilà, c'est la PLS. Hein. Ah ouais, parti. Ah, tu remets. Putain, mais moi, je serais resté tellement sur une masterclass comme ça. Non, mais on est tellement le genre de deck qui peut nous chier dans les bottes. Je trouve qu'on n'a pas montré le kill à la au fouet de vigne, et c'est dommage. Ah ouais, alors, moi, j'aime bien le kill à l'ours. Moi, je m'attendais le kill au fouet de vigne et pas à l'ours. On a eu l'ours. Ouais, ouais. Deux fois. Alors que là, je vais t'y foutre un lézard. C'est le boss, hein. Ça va être incroyable. Un bon petit lézard. On a le land et tout qui reprend le lézard. En vrai, c'est fait pour ça. C'est bien pensé, ce petit land. Genre, pour je pense que le type qui a build le deck, il a pas pensé qu'il pouvait tuer à l'ours. Et nous, on l'ours, est je reprends des. Mais regarde, tu mets 20, fils. Ah ouais, ouais, je mets 20. Ah, c'est vrai, je mets 20. Il a piétinement? Non, je crois qu'il a vigilance portée. Ouais. Mais tu sais qu'il est pas si grand que ça. Mais comparé à Bloomborough, bah, du coup, il a la portée, tu vois. Ouais. Comme il est très grand. Parce qu'ils sont tous petits, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sa vision sportée. Pour la main inside. Hein. Bah, il y a l'ours. Il y a l'ours. Il y en a deux que je me fais gérer. Allez, vas-y. Bon, c'est Mulligan, ça. Ah ouais? Juste parce que t'as pas analyste? Bah, j'ai pas les cartes du deck, là. Franchement, t'as anti-bet spéléologie. Tu veux garder ça? Toi, tu veux vite finir la vidéo, toi? Non, pas du tout. Bah, non. Une fois qu'on relance, après, on relance. On joue bien. C'est quoi l'argument? Tu cherches quoi? Tu veux analyste et Nissa? Tu ouais. Dis si t'as pas l'un ou l'autre, tu jettes? Ouais, plutôt. Ouais. Enfin non, je peux garder des mains décentes, mais là, bon. Ok, vas-y, jette. C'est vrai que deux Lumra, c'est un de trop, quoi. Ah, dommage. Jetons. C'est moins bien. C'est quasiment ta main de départ, on va dire. Ouais, vas-y, comme ça. C'est quasiment ta main de départ. Ouais. Caca, hein. Ouais. Ah. Oh, cool. Mieux. Promets de jouer le foie, ta vigne. Je sais pas si on va le joue pas tout de suite, on va en faire une... Si j'ai... Ah, voilà. On va en faire, comment ça s'appelle, une progéniture, je pense. Ça, ça prendra la gorge. Ah. Bon, bah, du coup, je vais... Attends, mais pourquoi ils sont tous bourrés, là, ce matin? Bah, je vais tuer ça. C'est parce qu'on est en argent, je pense. En argent, ils sont bourrés. Bah, visiblement. Hein, quand t'es bourré, tu passes difficilement en or, de toute façon. Bah, je sais pas. Hein. Je pense que je peux passer gold bourré, moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si t'étais bourré tous les jours depuis des années, tu passerais pas gold. Je te le dis. Ah, bah si, ce serait mon état naturel. Non. Eh, mais je pense que t'as une petite perte de capacité cognitive. À terme. Qui forcément t'empêche, finalement, tu vois. Ouais. Est-ce que je spéléologie là? Moi j'ai envie de Nissa, je crois. Bah, Nissa, tu la donnes juste dans l'anti-bête. Hein. Et alors? Ou alors je fais ça? Je progénite. Tu veux pas spéléo? Pourquoi? Bah, parce que ça me fait mettre un land en jeu alors que je veux le garder pour Nissa, ça. Tu peux décliner, hein? Bah, c'est nul du coup. Bah, tu peux piocher une carte et elle est setup. Toi, tu préfères. En tout cas, c'est sûr que c'est pas Nissa si tu peux pas lander. Donc vas-y, faut être vin en pro. La version pro. C'est plus cher, hein, t'as vu? Ouais. Ouais, comme tout. Si des gens vont lancer une entreprise un jour, vous allez découvrir le côté pro. Ouais, c'est délicieux, c'est plus cher pour rien. Ah, c'est pro. Moi, j'étais persuadé que quand t'étais en pro, justement, t'avais des offres. Et des facilités. T'avais des facilités, et en fait, non. Bah, c'est pro, c'est plus cher. Oui, mais vous avez la carte pro? C'est pro, c'est oui, j'ai la carte pro, ah, bah, du coup, c'est plus cher. Mais du coup, j'ai pas la carte pro. Ah, bah, si, vous êtes pro. Et mais si tu leur dis, ouais, non, mais en fait, je la prends en tant que particulier. En fait, je suis semi-pro. Je suis pas encore tout à fait pro. Et les mecs, ils seront en mode, ah bon, bah, bien joué. Il suffit de dire ça. C'est une dinguerie. Tu peux avoir le vie ici. J'ai une carte. T1. Putain, pioche des bonnes cartes, dis donc. Mais j'essaye.
Un point. Un point. Oh mais oui, attaque. Ah oui, c'est vrai que je suis mal à trade. Ouais. Ah oui. J'ai loupé un point. S'il finit à 1. Ah c'est chiant. C'est ma faute. Oh bah, j'aurais tué. Allez, maintenant, faut y aller. Ça va mal se passer. Ça va très bien se passer. Oh, n'importe quoi tout le temps. Hein. Ça aurait pu très mal se passer. Ça aurait pu très mal se passer. Je réanime pas beaucoup ouais. Pour l'instant. Ah. Oh, ça va, ça va. C'est vraiment un frère, lui. Ah, c'est le fraté, ça. Hein. Oh, tu veux juste jumper, non? Non. Ah non. Ah non, je vais juste... Juste taper vite et bien. Plus qu'une carte en main. Et ils ont tous plus qu'une carte en main, j'ai l'impression qu'ils font rien. C'est peut-être que notre deck est trop fort. Quand t'as l'impression que l'oppo fait rien, c'est que ton deck est vraiment bien. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, on développe là. Ah oui. Toi, t'aimes bien développer en j'adore plus. J'adore développer. Ouf, si tu savais comment on s'en fout. C'est presque une aide ce que tu nous fais là. Soit. Oh, plutôt démarrer encore. On peut te dire que c'est le cadet de nos soucis là, ce que tu viens de proposer. Ça, c'est un mec qui a que dalle en main, tu vois. Ouais. Mais du coup, il aurait pu attaquer d'abord. Oh, puis j'ai une carte. Je pouvais bloquer. Non, j'ai que 4 mana, je pouvais pas bloquer. Bah oui, évidemment. Tu l'as eu, bien joué. Ouais, j'aurais pu jouer à sa place, surtout s'il a rien. Je pense que c'est pas mal de casser Spellologie pour commencer. Moi, ça me choque pas, en tout cas. T'as hâte des Fetchlands qui vont chercher des Fetchlands. Le début de la fin. Hein. Quand on a ça. Oh yes. Ça empêche de bloquer, c'est quoi le plan? Ça empêche de bloquer. Force inférieure égale ne peut pas être bloqué. Ah, ça empêche pas. Petite bête. Ah, dommage. Je croyais que c'était en mode tiens, ta chauve-souris, elle bloque pas mon gros Lumra. Non. Ça m'aurait régalé. Un petit poisson. Alors laisse-moi te dire que moi et ma maison enchantée là, on en a rien à foutre de ton poisson. Elle est enchantée ta maison? Moi elle est tourmentée. Putain, il manque vraiment le piétinement. Comment lui ne peut-il pas piétiner? C'est vrai que j'aurais pas mis la portée moi. Ouais mon oncle. Je l'aurais fait piétiner là. Après ça grimpe bien aux arbres quoi. Ouais. Du coup en montant en haut de l'arbre il peut choper l'oiseau quoi. Alors malheureusement il y a la portée magique. Oh. Mais pourquoi il n'est pas attaqué avant? Il a un tricks. En plus, elle est bien illustrée, la portée magique, parce que t'as un beau gros arc, là. Après, quand t'es sous vodka, tu... Ah là, il y a la piste de... Tu vois pas très bien, là, il y a la piste de l'alcoolisme. La piste de la bourre, ouais. Évidemment. D'accord. Super. Oh, l'inverse du saisie bug. Le saisie débug. C'est pour compenser le saisie bug, hein, finalement. Ouais. Mon navire. Mon navire. Le drapeau noir. En réponse. Je suis un poisson. Oui, non, c'est super un poisson. On s'en fout de tes poissons, c'est pourri. Allez. Ah, oh, j'en reviens pas. La portée secrète qui a hit. Ouais. Attends, ils ont tout fait pour que ça n'arrive plus. Hein. Dommage. Bon, ça va là-haut. Faut remettre un petit coup. Merde, non, je peux pas refaire le trigger, je suis con. Ah bon? Bah, le que 1, du coup, pas 2. Hmm. Ouais. On s'emmerde. Ouais, on s'emmerde de fou. En même temps, je reprends une Nissa, j'en repioche une. Et j'en repioche une. Tu referas le tour d'après, pardon. Oui. J'ai donné une Nissa, là, pour le plaisir. Ouais, mais ça va. Il fait pas grand chose. Hein. Disons que la claque du Lumra commence un petit peu à le faire piter. T'as pas pêché de land, donc tu peux pas trigger ni ça. Passe. Oh, j'ai envie d'y mettre 11. Hein. Ouais, je meurs d'envie. Mais tu vas mettre 0 si tu fais ça. Je sais. Mais je meurs d'envie. Ah, moi aussi. Et j'ai envie qu'il meure aussi. Bientôt. Ah, lors d'une partie, hein. Je veux pas que Motorer dans la vraie vie décède. Surtout pas, surtout pas. Il a le pire pet. Hey, il est bien fait, moi je trouve, j'aime bien. Ah bah il est stylé, hein. C'est gros doigt de pied là. Gros doigt de pied de gobelin. Mais quand tu perds et que tu le vois jouer avec sa petite dynamite là. Ah, ça fait chier, ouais. Ah, super.
Ça part de là. Trigger. Ah, 12-12, je peux attaquer maintenant. Non plus. Allez, pas la dernière Nissa, je vous en supplie. Voilà. Ah, super. Mais est-ce que ça fait quelque chose, ça? À part te faire venir un milliard de landes? Non. On va la jouer dans tous les cas. Ouais. Bon, ça mange pas de pain. Hein. Ça te permettra de retrigger Nissa. Oui. Est-ce que tu peux trouver... Tu pourrais trouver le land qui te permet de récupérer un foie de vigne. Ça serait pas mal. Là, je peux plus. Là, pour l'instant, tu peux plus, ouais. Je pourrais aussi trouver un tutor. Pourquoi notre deck fait rien, là? Alors qu'il y a mille manières de faire des trucs. Ah, oh, il va nous tuer à la combo. Putain. Oh, il est trop seul. Ok. Juste parce que Glissa, c'est de la merde. Ah, juste parce que là, notre deck, il a rien fait. Hein. Ouais. Bon, ce qu'il y a juste ici. Pas ce tour-ci, cela dit. Non. Ça servira à rien l'autre. Ça mange pas de pain. Oh, yes. Voilà. Ça part de là. Du coup... Ouais, tu prends juste le rituel sacrificiel, là, et c'est gain, je pense. Foot de vigne, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est fois 2, ça fait 12. C'est pas mal, hein? 12, plus ce qu'il prend parce qu'il peut pas bloquer, bah c'est létal. Prends foot de vigne. Ah, parce que tu veux le progéniturer? Ouais. D'accord, ok. Ah, je voulais faire une boucle... Un peu stylé quoi. Je voulais montrer ce que faisait le deck avec Carnage. Bah le truc c'est que Carnage, si je trouve pas foi de vigne, je le tue pas ce tour-ci. Ouais, ça avait l'air difficile quand même de pas le trouver quoi. Ah oh, mais vas-y, t'as raison, au moins on essaye. Il y a déjà un Gamer qui est mort, donc il n'y en avait plus qu'un sur 30 cartes. Ah mais tu peux trouver le land. Oui, j'ai le land aussi. Tu peux trouver le land. Bon, je pense que dans tous les cas tu tuais quoi. Oui. Je pouvais tuer seulement. T'as eu seulement. Pas qu'il est anti-bête. S'il est anti-bête sur l'Umbra, il survit. Et il bloque ta Nissa. Il y a ça aussi. Hein. Et il y a ça aussi, ok. Oui. L'est-il ? Voilà. Ça, c'est du bon fouet de vigne, tu vois. Mmh. T'as vu, ça en a mis plein en pile, et puis ouais. Ensuite. Hop, hop. Ce scale. Excellent. Et bien sûr, moteur air, bien sûr qu'il fallait partir. Excellent. Alors, pourquoi Lures. Eh parce que la combo. Non, je pense qu'on s'en fout. En fait, sa combo est beaucoup plus molle que la nôtre. Je pense que tu t'en fous. Tu crois? Ouais. Parce que quand notre deck il fait rien... Ouais, mais dis pas censé rien faire en vrai. Ouais, au moins deux déchiquetés. Ouais, ça me va. Mais genre, du reste pour sa combo, là, je suis pas très chaud. Exterminé, c'est nul. Je pense que justement, se focus sur la combo de Golgari, c'est abandonner juste le match-up de base où il va poser des bêtes et bourrer, tu vois. Ouais, mais les bêtes, justement, c'est pas trop un problème. Bah, ça peut, hein. Il peut juste faire bête anti-bête et c'est comme ça que nous a buté Rakdos à la base, quoi. Ouais. Je pense pas qu'on veut de Vrace. Non, je pense pas non plus. Qu'on peut mettre juste des droits à la gorge. À la gorge ouais. Tu veux pas garder quelques exterminés pour ces chauves-souris, là? C'est pas trop emmerdant, chauves-souris, surtout une curve. Mais on peut en garder un peu. Qu'est-ce qu'on voudrait en moins? C'est dur hein, de quitter les trucs là. C'est toujours pareil, si tu peux enlever toujours un Lumra. Hein, un Lumra, un pied de marée pour avoir deux exterminés, mais. Ouais. Bon. On va voir comme ça. Attends, il joue quoi à part chauve-souris que tu peux cut down? Là, la game, il a joué que chauve-souris et Glissa. Ouais. Il a pas des moussus un peu? Il doit avoir des moussus qu'il a pas pioché, mais bon. J'ai pas envie d'exterminer des moussus. Bah du coup, vas-y, ne mets pas de cut down, c'est bon. Reste sur ton plan proactif. Notre plan... ça aussi, c'est chiant. Hein. Ça, c'est... Ça lui fait des bêtes qui bloquent mal, ou qui chum bloquent, et ça casse sa combo. C'est vachement fort pour grinder, ouais. Donc c'est peut-être mieux qu'un Lumra, par exemple, tu vois.
Ouais, je peux cutter un Lumra et un pillé pour deux Mais pillé, Nissa. je sais pas si tu veux que t'aies un pillé. Hein. Pas Cut deux certain. Lumra pour deux Nissa. Ouais, probablement. Ouais, ça me va. On a pris bien le temps pour ça y est, il nous restait 26 secondes. Donc ceux qui prennent 2 minutes, vraiment ça prend du temps quoi. Il y a des decks avec lesquels c'est difficile de sider, vu que nous, c'est un deck qu'on découvre, forcément, on n'a pas encore tous les plans de side. Bien. Ouais, c'est ok, bah t'as entre guillemets, la synergie en main, quoi. Mais t'es sensible à chauve-souris, t'es sensible à un plan proactif puissant. T'as une main sensible, quoi. Une main sensible. Elle a un cœur, cette main, ok? Merde, j'aurais dû faire ça, putain, je suis con. J'ai réfléchi pour faire ça tour 1. Et je l'ai pas fait. T'as avancé à quoi spécifiquement, si ce n'est Mana bien noir tape. Mana vert pour jouer ça. Deuxième mana noir pour comploter ça. pour comploter, ouais. Bon, après il m'a enlevé mon tour 2, donc ça change pas grand chose. Et tu pioches que des landes. Je vais pouvoir comploter, comploter. Ouais. Je vais me setup en fait. Le problème c'est que lui il va vite me tuer. Oh. Grande Je chance peux qu'il ait un anti-bed. déjà mettre complot. Non, mais ça c'est tour d'après. Ouais. Je fais ça, passage merveilleux. Si je retrouve animiste, je peux la jouer. Ouais, bah complète ça, ouais. Ou j'attendais le tour prochain, je sacrifie mes 4 landes pour draw 4. Un tour. Ça t'a perdu. Alors oui, je suis mort, Alors, vas-y, mais discarde-moi. j'ai plus de cartes en main que toi. Vas-y, discarde-moi. Ah, par contre, s'il trouve pas ses landes et qu'il fait rien d'autre, ça me va. Parce Allez, que moi, je Nissa, trouve passage. ça. Elle est passage, Nissa? Non, les passages. C'est une coquine. Elle est coquine, Nissa. Comme Pierre-Louis. C'est un coquin, Pierre-Louis. Je me méfie, moi. Mana noire. Une autre Nissa. On va comploter ça, du coup. Eh ouais, hein, complote. Et Nissa. J'en ai une autre. Je trouve 5 là. Discard 2 landes pour ma future analyste. Elle trouve un land, ça y est, c'est perdu. Il va jouer les trucs. Mais là, tu vois, c'est tour 3 et c'est tour 4, je m'en fous. Tu vois, ça c'est. Je suis pas ravi quand même, mais. Ouais, mais là, ça ne change rien. Je prends juste mes 4, quoi, Ouais. gentiment. Par contre, si je trouve que des Bon. landes, ça va être un peu chiant. Si tu vas chercher un analyste, là, c'est pas si mal. Bah, je pense que tu gagnes la partie si tu vas chercher un analyste. Oui, c'est possible. Vert. Donc, s'il te plaît, le jeu, donne-nous l'analyste. Noir. Tu peux aller chercher avec pied le marais. Ouais, je peux. On n'a pas mieux. Bon, il y a un truc qui tue la chauve-souris, sinon. Mais bon. Analyste, c'est bien. Analyste. Tu prends tes 4 manas et on carnage. Prendre un mana vert, tant qu'à faire. Ouais. Et donc là, l'idée c'est de carnager tout le board et avec Ouais. tes 4 manas, tu analystes. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Je lève Nissa ou pas? Non, elle va chumper, je crois. Bon, non, garde là. Ah bah non, sinon je fais pas les manas. En plus. Facile ce deck, hein. Easy. Vert. Vert. Noir. Noir. Vert. Vert. Noir. Noir. Tu vas Fin de déchiqueter tour. son talent. Ouais. Instantanément sous peu. Et juste analyse et plot un pillage et tu gagnes le tour d'après. Je peux pas kill là, non. Ah si, si je faisais ça, je crois que je pouvais kill sans Pourquoi? gérer son truc. Je pouvais aller chercher un truc, bah rechercher un carnage. Tu refaisais un Analyse, revenir carnage? carnage, je crois que je peux faire des trucs, bon c'est pas En fait, tu pouvais tenter de grave. partir au kill, mais je pense qu'il vaut mieux être conservateur. Si t'es pas sûr de kill, et factuellement, je crois que dans les faits, mathématiquement, c'est pas déterministe, ça me va de pas être pressé, moi. Puisque de toute façon, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec la main que t'as, les landes que Normalement t'as. ça va. Donc plutôt que de tenter d'aller chercher le kill,
pète son plan un peu combo-ish Pète là. sa mère. Et tu vas le détruire. Et, ouais, ça, j'aurais peut-être pas dû jouer ça en fait. Mais t'as un pied le marais, donc tu peux te permettre de mal jouer quoi. C'est vrai qu'il peut pas le prendre du coup. Bah non. Ah bah la chauve-souris. Et on a pas de carte active mon En pote. fait, tu vas rechercher un. Est-ce que je prends là? Je crois que oui. Tu passes à 7. Ouais, je crois. Je crois, et du coup, là, tu vas chercher un autre analyste et on est parti. Hein. Tu refais une boucle. Est-ce qu'il y en a encore? 1, 2. Donc c'est chaud là. J'en trouve 1 sur 30. Hein. T'en trouves 1 sur Et lui, 30. il va chercher sur 17. Non, 18. Ouais, fais d'abord un Ok. coup de Nissa et tu Ouais, verras bien je fais un là. petit coup de passage. Ah, j'étais pas obligé de jouer un passage, c'est pas grave. J'aimerais bien prendre une spéléologie, plutôt. Donne-nous, ok, un Trouver analyste. un analyste. Maintenant, tu peux aller chercher un carnage si tu veux, et là, tu Ouais. fais ta life. Hein. Du coup, ça raconte quoi? Il y a Nissa, Carnage, Lumra. Un peu ce qu'on veut. Je crois que tu fais pas mieux que carnage pour t'offrir la Ouais. possibilité de faire n'importe quoi après. Exact. Oui, je voulais pas. Ensuite, Je vais jouer analyste, ça. tu prends tous tes manas. Ça, je crois que ça change rien. Ça, c'est des manas engagées. Ouais, mais ça te fait des manas sur Nissa, non? Ouais, mais du coup, ça fait des triggers en moins sur fouet de vigne. Donc, je crois que je m'arrête là. Ok. Là, c'est QQ. Voilà. Carnage. Attends, il faut aussi que Oui, je tu. garde 4 manas. Ouais, c'est bon. Et je les ai. Pile. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Confirmé. J'ai un fouet de vigne ou pas? Pas de fouet de vigne, non. C'est pas grave, au pire tu peux brasser son board juste. Tu brasses son board et tu récupères le même board que celui que t'avais à la base. Ouais. Faut que tu trouves de quoi brasser son board. Ah non, mais on les a pas les brasses contre lui. Ah, on a cuté, on l'avait, Ouais. on a cuté, ouais. Bon, tu t'as droit à la gorge, ça va faire le job. Hein. Et je vais reprendre une analyste en plus avec droit à la gorge. Ok, je vais spéléologer. Permet de mettre en jeu, genre maisonnette. Ouais, t'as trouvé le village, hein. Ouais. Ouais, mais là, je peux pas refaire une boucle, je crois. Vers. Un droit à la gorge sur celle-là. Ouais, faut vivre, hein. C'est pas facile, mais si tu vis, c'est bon. Ça devrait le faire, hein. Je peux rejouer une analyste. Ouais. Les spéléologues, c'est quoi la condition? C'est pour gagner 4 PEF, faut jouer des cavernes. C'est des cavernes, ouais. Ouais, on n'a pas de cavernes. Je peux rejouer une spéléologie au cas où. Ouais, mais ça te sert à quoi? S'il m'en bute une. Ah, tu peux 2, peut-être 3, jouer 4. Luma ou pas? Non. 3, 4. Ah putain, fais chier. Ah si, Ah si, tu pile. peux jouer Luma. Nickel. J'ai compté 5, j'avais 6. Oula, 6 cartes en bibliothèque. C'est rigolo. Suivons. Pas d'attaque. Non. Et des landes. Forêt, 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 forêt. C'est si dur que ça Il d'avoir me le fouet reste de quoi en vigne? biblio? Il me reste un fouet de vigne, un gopher de trout, un spelunking, un carnage Ouais. et Allez, deux par landes. et la condition du village de Planeboue, c'est juste payer pour récupérer ton fouet de vigne? Ouais. Je paye deux, je sacrifie, je renvoie Ok. un truc. Là, on l'éteint, on tue pas, hein. Il y a 32, ça qui est chiant. Ouais, là en l'état on tue pas. Est-ce que je vais aller chercher Carnage? Je peux. J'augmente mes chances de pas trouver un land. Ouais. Là, c'est assez significatif.
Deux coups de double fouet de vigne. Ah non, mais j'ai pas carnage en fait, c'est le problème. Non. Quelles sont les options qu'on a là? Ça va passer par ça, c'est sûr. Payer avec une petite forêt. Ouais, jusque-là c'est bon, mais. D'où pour pas crever, je peux mettre un coup et sacrifier pour gagner des pèves. Ouais, bah vas-y, c'est pas mal. Écoute, on va essayer de temporiser sur les tours qui restent. Village. Ça, village, tu le gardes si jamais il vient à gérer tes deux fois de vie. Et écoute, on va essayer de tuer en plusieurs tours. Je peux sinon. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux remettre encore un fouet de vie? Non, pas avec un coup. Ça me coûte 5 et ça me coûte 5. Attends, je vais mettre d'abord un coup, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Non, il y a moyen juste de la gagner comme ça à la value parce que t'as plus de board et. Et là maintenant, ça te coûte 2. Bah si, t'as assez, je crois, t'as pile assez. Ça te coûte 3 et 3, non? Si je le fais, mais s'il a une vrasse, on n'a plus de fois de vigne, il n'y a plus de moyen de la reprendre. Ah oui. Donc, Ok. Par contre, tu peux pas gagner de PV non plus. Mais tu pourras le faire le tour d'après, en tout cas. non, tu sais quoi, je vais mettre un bloqueur de plus et gagner 3 PV. Ouais, ça me va, ouais. C'est mieux. C'est plus safe. Et maintenant, faut arrêter de piocher, par contre. Juste, on va tuer avec ce qu'on a sur le board. Ouais, bah. Ah oui, parce que si on pioche sur carnage. Bah tu vas perdre. Eh ouais, on est obligé de piocher. Crétéchine, on s'en fiche, mais ça retarde un peu le. S'il gagne 4 pev, c'est chiant. Bah, il va exiler un cimetière. Il cible quoi? J'ai pas vu. Il faut qu'il paye maintenant. Exiler cimetière. Ouais, t'es obligé de. Sacrifier pour reprendre. Ah, mais du coup, je pourrais pas gagner les pèves. Ouais, mais il te tue pas. Il me tue pas. Bah, je vois pas comment il te tue en tout cas. Et là, je vois pas comment on le tue nous. En attaquant tous les tours, le 26 en Et non, en fait, je enlevant. voulais carnage, mais c'est vrai que carnage, ça va nous tuer avec la meule. Écoute, on Malheureusement. va essayer. J'ai pas le détail de la course en tête là. Je pense que tu refais foie de vigne et tu continues à attaquer avec tes trucs. Hein. Et tu poses un terrain tous les tours qui met 4. Bah, le truc, c'est qu'il bloque juste, en fait. Non, je crois qu'on l'a juste perdu celle-là sur il y a trop de points de vie et on a dû fail à un moment dans le combo. Peut-être. Je peux rendre un blocable des bêtes mais bon. Ouais, c'est ça, Attends, c'est mais trop chiant glissa quoi. tu peux tout sacrifier et faire un coup d'analyste, non? Je peux sacrifier 4 terrains et mettre un coup d'analyste, ouais. Ça lui met 16, non? Ça fait 4 fois 4. Oui. Et ça me paraît viable comme option, moi. Tu veux que je le fasse maintenant? Bah, tant qu'à faire. Non? Ouais, j'aurais pas trop d'autres façons de. Je pense que tu le tues en faisant ça. Hein. À terme. Juste, Refuser. tu refuses tout, tu sacrifies tout. Tu le fais revenir et puis. Refuser. Et puis, let's go. Hein. Il va peut-être même concéder en mode ah Ah putain. merde, j'aurais dû lui mettre un fetch du coup. Ouais, mais j'ai pensé J'ai mis qu'après. un basique, quoi. C'est pas grave. Maintenant. C'est le temps qui décompte pendant que tous les triggers se mettent en pile, c'est très chiant. Ça en fait des triggers. Ouais, effectivement, là, tu le passais à 3 au lieu de le passer à 7. Je peux attaquer avec deux lampes. Ah non, j'ai pas assez de mana. Non, mais le tour d'après, il y a moyen que tu attaques pour l'étal, quoi. Toi, il faut que tu gagnes ton petit pev. Écoute, alors, est-ce que là, tu peux attaquer avec 2, hein. Regarde, t'as 6, 7. Pas attaquer avec 2. Me semble. Tu as raison, avec les malades Nissa. Et écoute, ça devrait pas trop mal se passer là. Je vais m'attaquer avec ça. Il va bloquer. Bloquer, il prend 3. Et le tour d'après, t'as l'étal sur un land. Je vois pas d'autres options. Par contre, tu vas être obligé de chumper.
Il va être obligé de champer, je pense. Parce qu'il peut. Ah non, Il il est obligé de tout est bloquer. obligé de Il est bloquer obligé sinon de il tout meurt. bloquer. Mort. Bah mon gars, c'est censé être win hein, cette histoire. Ça, mon gars, c'est un dragon. Putain, on n'a pas vu en fait que. On a pas vu... on est un peu tunnel aussi, c'est pas facile à jouer. On n'a pas vu qu'on pouvait juste remplir notre cimetière avec des objets de Remplir, sacrifice, ouais. quoi. Ah, ça, c'est quand t'es sur un plan très précis. Ouais. Oui, et que tu vois pas les autres options, mais c'est un deck qui est assez fort en vrai, hein. Oh, et je peux trouver Spéléologie, une chance sur 3, qui me fait land drop. Ouais. Go Donc, for the sinon, je throw, qui pense est qu'il est bien. juste échec et mat. Hein. Faut pas trouver Carnage. Parfait. Let's go! Nickel. Putain, il fallait Oh, sortir j'en remets du. une. Fallait sortir du tunnel, c'est pas toujours facile, mais. Mais on l'a fait. Et on l'a fait ensemble. Et on l'a fait ensemble. Ça fait plaisir. GG! Fin de cette vidéo. Ouais. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description. Masterclass. 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 Masterclass de. Master Chias un peu aussi. Ça a failli chasser. Ça a failli Mais chasser. Masterclass quand même. Mais franchement, le deck est super fort. Très très solide. Et je préfère affronter ça et jouer ça Que tes que murs tes analystes. murs analystes. Bah, c'est plus Plus orienté. combo, mais du coup c'est plus facile à disrupt, tu vois. Ouais, Genre je pense s'il qu'il y a est des plus ley lines facile. et tout, il Je se pense passe que c'est des plus trucs. facile à piloter. Et surtout n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.